nous avons le plaisir d'être accueillis chez une jeune entrepreneuse qui, depuis un an et demi, a créé ici à Goma une galerie d'art. Bonjour Mabendo. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel était ton projet, comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce que tu es parvenue à le réaliser? Si vous nous rencontrez, vous voyez, c'est une galerie d'art. Nous avons commencé, comme tu l'as dit, il y a une année et demie, et notre objectif, c'est donner un espace de vente aux artistes et en même temps de faire leur promotion. Donc, nous, en parlant de promotion, nous organisons des événements, 3 événements annuellement, dont le défilé des modes, le dîner en blanc et le marché de Noël. Écoute, c'est extraordinaire. C'est vrai que la création d'emplois est quelque chose de fondamental pour assurer le développement économique et le bien-être de toute une population. Et aujourd'hui, d'après ce que tu m'as expliqué, tu fais vivre 14 artistes qui eux-mêmes peut-être en font vivre d'autres. Pour l'instant, bien sûr, et nous espérons que d'ici 2 ans, nous pourrons faire vivre plus que ça, le double, pourquoi pas les triples. C'est ça notre objectif. Et tu as une idée assez originale, c'est ça qui est chouette, la créativité, l'innovation. Est-ce qu'elle t'a coûté cher? Est-ce que tu as dû avoir un capital important pour débuter? Tout le monde a un peu peur, toujours, du capital nécessaire pour entreprendre. Non, pas du tout. J'ai commencé d'abord peu, mais pour dire vrai, j'ai commencé par faire l'étude du marché à partir de chez moi. Quand j'ai vu que les gens s'intéressaient, j'ai commencé avec peu de moyens. Ça, il faut le dire, c'est peu de moyens. Et au fur et à mesure que ça continue, là, on peut maintenant augmenter les budgets, tout ça. Mais pour commencer, c'est peu de moyens avec lequel j'ai commencé. Mais écoute, c'est super, Mabendo, félicitations, tu es un exemple pour tous les jeunes, et tous les jeunes et les moins jeunes que j'inviterai évidemment à venir ici pour faire leurs courses et cadeaux de fin d'année. Vous voyez la belle casquette que je viens de m'offrir et tous les superbes bracelets que Mabendo porte à son bras. Et donc je suis sûr que vous trouverez ici de quoi faire beaucoup d'heureux en cette fin d'année.